On va tester ce drone qui est pas comme les autres, qui donne l'impression d'être un oiseau et qui se pilote un peu comme un avion. Le drone, il se pilote avec la radiocommande, donc qui ressemble un peu à la manette de la Wii. Et puis aussi, il y a un masque qui permet d'avoir le retour vidéo de la caméra du drone en vue première personne. Bon, on est dans une zone safe, hein, donc c'est parfait ici pour tester le drone. Je vous montre ça. Donc là, ce que vous voyez à la caméra, c'est ce que moi, je vois dans le masque. Le retour, il se fait en 1080p. C'est comme un écran OLED. La latence, elle est vraiment très faible. La caméra, elle, du drone, elle filme en 4K. Au milieu de l'écran, il y a un petit rond où je vais diriger la radiocommande et le drone, il va aller vers cette direction. C'est vraiment super simple à piloter. Pour avancer, j'ai juste à donner un petit coup de gâchette. Ah, il faut doser parce que il est assez, ça peut aller assez vite. Donc là, je vais aller à fond. Donc là, je vais passer en mode sport et on peut vraiment envoyer la patate. Hop là. Avec ce drone, on peut aller jusqu'à 70 km/h en Europe parce que le drone est tellement petit et léger que par exemple, là, je passe près du sol et honnêtement, j'ai vraiment pas trop peur, c'est vraiment rassurant. Wouah ! Et franchement, il est tellement précis, on peut même vraiment passer sous les jambes. Oh, wow, c'est trop bien, c'est trop kiffant. Là, il y a un pont, je vais aller sous le pont, je vais vous montrer. Hop là ! Et là, honnêtement, avec un drone normal stabilisé, on peut pas faire ça. Et honnêtement, j'ai dû piloter un quart d'heure, 20 minutes, je l'ai pris en main. C'est vraiment super simple, j'ai fait tester à des gens aussi, ils ont rapidement compris comment il fonctionnait. Ce qui est bien, c'est que le drone, il a quand même des protections. Il y a des protections d'hélice, donc si il heurte le sol ou un arbre à faible vitesse, j'ai pas trop peur de l'abîmer. Le drone, c'est un pur kiff en termes d'expérience de vol. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est son prix, 999 €, c'est pas rien. Il y a une batterie, ça fait 15 minutes de vol, c'est un peu short. Mais pour profiter pleinement de l'expérience de vol sans se limiter, il est quasiment obligatoire d'acheter la version avec deux batteries supplémentaires et sa station de charge. Il faudra tout de même débourser 199 € de plus que le pack de base.